Non, ça va, il y a 5 jurons, c'est pas où je t'en raconte. Produits chimiques, la matière première, c'est pareil, c'est pareil que la série, c'est le bois, hein. C'est le pin. C'est la transformation de la résine et l'utilisation des essences de pin. Oui, c'est ça, c'est la plus grosse boîte, la plus grosse boîte qui est là. On en revient au rugby, hein. On rentre à l'usine quand on joue au rugby. Hein. Je t'avais une idée, si tu veux rester avec nous, on te fait rentrer à l'usine. Voilà. Je fais un peu de tout, mais bon, ça ne correspond pas du tout à ce que je fais maintenant. Après, c'est un choix. Hein. On reste avec la famille, les amis, le rugby, la barque, et on reste dans notre région, on va rien dire. C'est le conduit, c'est le fiscal, le conduit, bon, c'est pas 8, mais bon. Maintenant, 95% des bateliers, c'était les ouvriers du jour. C'est que de ça. Hein. Ceux qui sont partis, devant, les deux, c'est pareil, travaillent cet après-midi aussi. Donc, on va ramener. Hein. Il faut mourir un peu. Mais bon. C'est ce que les premiers bateliers, à l'origine, je crois que vous avez vu l'historique. Hein. 1908, hein, la date officielle. Ça fait plus de 100 ans qu'existent les balades sur le courant du Chien. En barque, à la rame, toujours la même façon. Tradition, hein, nous sommes une tradition. C'est un point. Et les premiers bateliers, ce n'étaient que des pêcheurs professionnels du lac du Lac. Ils ont été jusqu'à une dizaine de à vivre de la pêche. La pêche, la terre et les balades de temps en temps. Pas comme nous tous les jours maintenant. Hein. Ça leur suffisait. Hein. Ils n'avaient pas d'internet, ils n'avaient pas de portable. Hein.